Et du Fils et du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à trouver tous ces talents que tu as semés en nous, afin d'atteindre le succès et le bonheur en toutes et chacune des tâches qui nous sont données de réaliser, pour le bien-être et le soutien nécessaire de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est, Samuel. Bonjour tout le monde, je me présente Patrick Guillotte, animateur culturel à Paul Desmarais. Et moi, je suis Frédéric Lalonde, animateur culturel à Franco-Ouest. L'équipe d'animation culturelle du CCCE vous présente le tout nouveau concours Croque ta frousse. Mais c'est quoi le concours, Monsieur Patrick? Est-ce que c'est comme le concours Croque ta blague? Oui, c'est exactement la même chose, mais différent. OK, mais si je comprends bien, individuellement, il faut inventer une histoire d'horreur franco-ontarienne en deux phrases, c'est ça? Oui, exactement. Et les 10 personnes ayant écrit les 10 meilleures histoires recevront une paire de Crocs de leur choix, n'est-ce pas? Oui, j'imagine que le formulaire de participation se trouvera dans les classrooms par niveau des élèves, pas vrai? Effectivement, et si je comprends bien, ils ont jusqu'au 11 octobre pour envoyer leurs histoires d'horreur. Est-ce qu'on a un exemple, Monsieur Fred? Ben oui, absolument. Depuis une semaine, j'ai le groupe Swing de prix dans la tête. Michel Benac dit qu'il s'ennuie de sa famille. Quand j'étais à un spectacle des Rotswamp, j'ai cru apercevoir un membre du groupe avec un chapeau farfelu que personne d'autre ne semblait voir. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit que l'accordéoniste était décédé depuis 5 ans. Ouh là là! Pour plus d'informations, contactez votre animateur culturel parce que moi j'ai des frissons. Moi, j'en ai la frousse. Oh, ça oui. Bouh. C'est le moment du concours Croque ta frousse. Vos pires, meilleures histoires.